Les intelligences artificielles sont partout et demain elles le seront encore davantage. D'ici 2025, les marchés liés aux intelligences artificielles se compteront en dizaines de milliards d'euros. L'humanité est le témoin du déploiement des IA dans son quotidien. Il est donc grand temps de faire le point sur la compréhension que l'on a de ce qui est encore une science fondamentale, une technologie qui ne cesse de se réinventer et un marché en perpétuelle évolution. Les IA peuvent être classées en trois catégories. Il y a tout d'abord les intelligences artificielles étroites comme DeepMind qui a battu les meilleurs joueurs du monde au jeu de Go. Il y a aussi l'intelligence artificielle Watson qui aide les médecins à établir leur diagnostic en plongeant dans l'ensemble des publications médicales à la recherche d'informations pertinentes mais inaccessibles à un être humain tant le nombre d'informations est grand. Il y a ensuite les intelligences artificielles générales qui un jour seront capables de gérer la complexité qui est le lot quotidien de l'humanité. Lire, manger, marcher, cuisiner, que sais-je encore. En dernier lieu, il se pourrait qu'un jour émerge ce que l'on appelle les super-intelligences qui, par leur capacité, dépasseront l'ensemble de l'humanité. Indépendamment de leur catégorie, les intelligences artificielles sont et seront dédiées à un ou plusieurs interlocuteurs humains. Elles seront localisées dans un objet, comme le sont aujourd'hui les assistants numériques dans les smartphones, comme le seront un jour les robots qui assisteront les pompiers ou les personnes âgées, qui peut-être aussi éduqueront les petits d'hommes. Les IA seront surtout déployées dans les réseaux invisibles des êtres humains, mais agissant en permanence, comme par exemple une IA qui pilotera un jour le trafic automobile d'une ville, que les véhicules soient autonomes ou non. De ces trois catégories d'intelligence artificielle, seule la première est aujourd'hui effective. On s'adresse à son smartphone, il essaye de répondre tant bien que mal aux ordres qui lui sont donnés, on lui dit un texte, il transcrit ce dernier tant bien que mal. En tout cas, de version en version, les progrès sont réels et visibles. Concernant les deux autres formes d'intelligence artificielle, elles demeurent à ce jour inaccessibles à l'humanité, tant pour des raisons de moyens et de puissance informatique que pour des considérations conceptuelles et de programmation. Mais la recherche avance à grands pas. Que l'on considère les réseaux neuronaux artificiels conçus pour imiter le fonctionnement d'un cerveau biologique, ils permettent le deep learning, l'apprentissage autonome de l'intelligence artificielle, ou que l'on considère les ordinateurs quantiques qui un jour mettront à la disposition des IA des puissances inaccessibles avec les moyens actuels informatiques. Tout ceci énoncé, il demeure une question à laquelle il reste à trouver une réponse satisfaisante. Une IA sera-t-elle un jour capable d'éprouver une réelle conscience d'elle-même, d'éprouver des sentiments en plus de comprendre ses propres raisonnements? Une intelligence artificielle sera-t-elle un jour qualifiée de conscience autonome? Les animaux sont pilotés par leur instinct de survie. L'humanité a fait de cet instinct ce que l'on nomme le progrès ou les cultures humaines, la compétitivité ou la solidarité qui protège l'individu au cœur de la communauté. Dans le cas des IA, qu'est-ce qui les motivera? Plus d'efficacité? Plus de puissance? Moins d'humanité? Si la concurrence est une fatalité, on la retrouve dans toutes les formes de vie. Toutes les IA agiront-elles toutes vers un même but? L'humanité ne sera-t-elle pas un jour le témoin passif d'un conflit informatique à très haute vitesse entre IA concurrentes? En l'état des développements, il est évident qu'il demeure le risque d'une mauvaise utilisation des IA par certains humains. Il demeure aussi le risque d'une émancipation incontrôlée des IA, risque que même des lois morales informatiques pourraient bien ne pas circonvenir. Cependant, une IA à qui on aurait appris à mesurer l'effort fourni, l'énergie consommée pour accomplir une tâche donnée, ce qui, chez les êtres biologiques, se manifeste par la fatigue, ce genre d'IA pourrait bien devenir à terme le meilleur allié que l'humanité ait trouvé pour relever les défis de demain. Car de telles IA seraient aussi bien conscientes de profiter, de bénéficier des infrastructures mises en place par l'humanité, que de partager un même écosystème, la planète Terre.